إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, Allah nous dit dans le Coran que Iblis, Al-La'in, le maudit, a dit « Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton chemin droit, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Et Allah dit dans un autre verset, toujours en parlant de Iblis, il dit « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. » Et donc parmi les ruses de l'ennemi d'Allah, al-Shaytan, grâce auquel il complote contre les faibles d'esprit, et il complote contre ceux dont la foi est faible, et contre les cœurs des ignorants, le fait d'écouter des chansons et de la musique. Et cela, chers musulmans, éloigne leur cœur du Coran et les laisse adonnés au péché et à la perversité. Et ainsi, les musulmans, hommes et femmes, et plus particulièrement les jeunes, filles et garçons, passent tout leur temps à écouter ces chansons. Et tu entends, dans de nombreux foyers appartenant à des musulmans, les voix des chanteurs et des chanteuses, sans distinction. On ne parle pas de chansons orientales ou chansons occidentales. Tous rentrent dans le même statut. Les jeunes connaissent tous de ces gens-là. Ils connaissent leur nom, ils connaissent leur date de naissance, ils connaissent leur pays, ils connaissent leur marque de vêtements. À quelle heure passe la chanson, à la radio ou à la télé? Mais à l'opposé, si tu les interroges sur les piliers de l'islam et ses règles, ou sur les plus célèbres compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils répondront « je ne sais pas ». Et si tu les interroges même sur les horaires de prière, ils répondront « je ne sais pas ». Mais comment peuvent-ils savoir ces choses alors qu'ils passent toute leur journée et toute leur nuit à écouter de la musique? Cher croyant, quiconque possède dans son cœur un doute sur le fait que la musique soit une chose illicite en islam, qu'il fasse disparaître ce doute par la certitude en écoutant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parlant du statut de la musique et montrant ses mots. Et les textes parlant de ce sujet sont très nombreux et le croyant n'a besoin que d'un seul verset du Coran. Donc pour être convaincu, il ne suffit pas que je te ramène 10 versets, 10 hadiths. Là, un seul verset, un seul hadith suffit. Donc que dire lorsque les textes sont très nombreux? Donc le musulman n'a besoin que d'un seul verset du Coran ou d'un seul hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il s'attache aux ordres d'Allah et abandonne ce fléau. Allah nous dit dans le Coran, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Et les textes du Coran montrant que la chanson et la musique sont interdits sont nombreux. Allah dit dans Sourate Luqman, et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de sens, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Et la majorité des savants du tefsir disent sur ce verset qu'il a été révélé pour El Rina, la chanson.
Car c'est la plus grande chose qui distrait du rappel d'Allah. Ibn Abbas dit en parlant de ce verset, c'est la chanson et le fait de l'écouter. Abu Sahba, rahmatullahi alayh, il a interrogé Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, sur ce verset. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Et Abdullah ibn Mas'ud jura à trois reprises. Il dit, Wallah, Wallah, Wallah. À trois reprises, ce verset a été révélé sur la musique. Chers frères et sœurs, si vous désirez savoir que la musique est en réalité le Coran du diable et les cordes de sa voix, lisez Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala dit au shaitan et à ses adeptes, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Mujahid ibn Jabr, l'élève Abdallah ibn Abbas, nous dit, la voix du shaitan, c'est les instruments de musique. Et si tu désires savoir que la chanson obstrue le chemin vers le rappel d'Allah, lis la fin de Surat al-Najm. Allah nous dit, quoi ? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran ? Et vous en riez et n'en pleurez point, absorbé que vous êtes par votre distraction. Wa antum samidun. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit en parlant du dernier verset, Samoud, ou bien Samoud, dans la langue de Himyar, une tribu parmi les tribus du Yémen, c'est la chanson. Il est dit en arabe, Usmoudi lana ya jara, c'est-à-dire chante pour nous. Chers serviteurs d'Allah, après les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs pour interdire l'écoute de la musique. Al-Bukhari rapporte dans son sahih, selon Abu Malik al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura certes parmi ma communauté des gens qui rendront licite al-hira, la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit, il y aura parmi cette communauté, c'est-à-dire parmi les musulmans, des gens qui rendront licite. Le fait de rendre licite l'istihlal, c'est-à-dire qu'on prend une chose illicite et qu'on veut la rendre licite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici al-hira, qui est la fornication, al-harir, la soie, al-khamr, le vin et les instruments de musique. Et sachez que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le licite et l'illicite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le licite restera licite jusqu'à yawm al-qiyamah, et l'illicite restera illicite jusqu'à yawm al-qiyamah, cela à toute époque et à n'importe quel endroit. Chers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam menace ceux qui passent leur temps à écouter de la musique. Il les menace d'être ensevelis, métamorphosés et lapidés. Sahl ibn Sa'din al-Sa'idi, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la fin des temps, il y aura des glissements de terre, des lapidations et des métamorphoses. Les compagnons dirent, quand cela aura-t-il lieu au prophète ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, quand prévaudront les instruments de musique et les chanteuses et que la consommation du vin sera jugée licite, rapporté par At-Tabarani fil Mu'jam al-Kabir. Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des gens de ma communauté qui vont boire du vin et l'appelleront par un autre nom. Ils l'appelleront Mashroubat Ruhiya mathalan. Il y aura des instruments de musique et des chanteuses qui vont chanter pour eux. Allah va les ensevelir dans la terre et va faire d'eux des singes et des porcs. Rapporté par Ibn Majah. L'imam Ahmed et Abu Daoud rapportent, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a interdit le vin, les jeux de hasard, al-kouba, c'est le tambour, et al-roubeira, c'est-à-dire une boisson alcoolisée fabriquée de maïs. Et toute boisson enivrante est haram. Donc au début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna Allah haram, c'est-à-dire que Allah a interdit. Et donc qui peut rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite dans ce hadith? Un jour un homme est venu à Abdallah ibn Abbas et lui a dit, vois-tu que Abdallah ibn Abbas, la chanson est-ce halal ou bien haram? La chanson est-ce halal ou bien haram? Donc il interroge Ibn Abbas sur les chansons des Bédouins, donc dans les premiers siècles. Est-ce que cela est halal ou bien haram? Ibn Abbas a dit, je ne dis haram de ce qui est cité dans le Coran. L'homme dit alors, donc c'est halal,
c'est donc licite. Si tu ne me dis pas c'est haram, donc c'est licite. Ibn Abbas a dit, je ne dis pas cela. Ensuite, Ibn Abbas lui dit, Yawm al-Qiyama, Allah fera venir le vrai et le faux. Al-Haq wa al-Batil. Est-ce que la musique et al-Ghina seront parmi al-Haq ou bien parmi al-Batil? L'homme a dit, min al-Batil. Donc il lui a dit, idhhab faqad aftayta nafsak. Va-t'en, tu as répondu à ta propre question. Tu as répondu toi-même à ta question. Donc l'homme, ainsi la femme, qui est sur la nature originelle, sait que la chanson fait partie du faux, et que Allah efface le faux par la vérité, et qu'il n'y aura, et qu'il n'y a aucun lien entre le faux et la vérité. Ayol Mouminoun, chaque croyant. Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam, il a appelé la chanson instrument du diable, Mazamir al-Shaytan. Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, Abu Bakr est rentré alors qu'il y avait auprès de moi deux petites filles médinoises qui chantaient sur ce qui s'est passé pour les Ansar le jour de Bu'ath. Bu'ath, une guerre parmi les guerres d'avant l'islam. Et ces deux jeunes filles n'étaient pas chanteuses. Donc ce n'était pas un métier à leur époque. Les gens, ils chantent, mais ce n'est pas un métier comme maintenant. Abu Bakr a dit, Amazamiru shaytani fi bayti rasulillah. Il s'est mis en colère et a dit, les instruments du diable sont dans la maison du messager d'Allah. Et ce jour était un jour de Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, oh Abu Bakr, certes chaque peuple a un Eid et ceci est notre Eid. Rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Et donc Abu Bakr a appelé la musique les instruments du diable, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela et ne l'a pas blâmé sur cette appellation. Donc ce hadith fait partie des autorisations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis la chanson avec des tambours pour les femmes, les jours de mariage, les jours de Eid. Et c'est même une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sunan ibn Majah, Aisha radiallahu anha a marié une de ses amies. Et ensuite donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé donc, est-ce que une telle s'est mariée? On lui a dit, il a dit, est-ce que vous avez envoyé pour leur mariage des gens qui chantent pour eux? Aïcha, elle a dit non. Il a dit, les Ansar sont des gens qui aiment chanter. Si seulement vous aviez envoyé des gens pour leur dire, Ateinakum, Ateinakum, Fahayana, Wahayakum. C'est-à-dire, nous sommes venus à vous, nous sommes venus à vous, saluez-nous donc, et nous vous saluons. Donc cela prouve que le tambour est licite pour les femmes, les jours de fête et pour les mariages. Et ce n'est pas une preuve que la musique est licite afin de réunir tous les textes. Chers serviteurs d'Allah, nous allons finir ce discours par la parole des immenses savants de l'islam, ceux qui guident les gens vers le droit chemin et les éloignent de l'égarement, ceux qui nous montrent le halal et nous éloignent du haram. Les Hanafites, donc ceux qui suivent l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhim, dans leurs ouvrages, ils citent que le fait d'écouter de la musique est une perversion et que le fait d'en prendre plaisir est même une mécréance pour eux. L'imam Abu Yusuf, parmi les plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, et était le plus grand juge à l'époque de Harun al-Rashid, il nous dit, si j'entends de la musique dans une maison, j'y entre sans permission. Tu es chez toi en train d'écouter de la musique, Abu Yusuf y rentre sans permission pour t'interdire cela. Lorsque j'entends de la musique dans une maison, j'y rentre sans permission, car le fait de corriger le blâmable est obligatoire, et cela est un acte blâmable. L'imam Malik rahimahullah, il nous dit, en parlant des gens de Médine, seuls les pervers font cela chez nous à Médine. Et l'imam Oushafi, il nous dit, l'homme qui réunit les gens pour entendre chanter sa servante est un sot, sa fille, dont le témoignage est rejeté, et il est même des youth, c'est-à-dire un homme sans jalousie pour ses proches. Et l'imam Ahmed, rahmatullahi alayh, lorsque son fils l'a interrogé sur la musique, il a dit, la chanson ne me plaît pas, elle fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, comme l'eau fait pousser les légumes. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي سائر شؤونهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين